specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Salut tout le monde, c'est Shark, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Grounded pour une nouvelle vidéo. Et les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le plus qu'il y a, sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé là? Viande pourrie. D'accord, avant la viande pourrissait pas. Quand elle était sur le barbecue, maintenant la viande pourrie. Bon bah c'est bon à savoir les amis. Tiens, voilà, t'en auras un peu plus. C'est bon à savoir. Par contre, c'est pas bon pour moi du coup. Ouais, puisque la viande séchée, c'est pas terrible non plus. C'est toujours mieux que rien du tout. Ah, tiens, donne-moi dans une autre. Toi, je vais en remanger un parce qu'on sait jamais. Ouais, viens avec moi quand même, on sait jamais. Et là, donc, les amis, comme je dis, on va aller faire celui qui est sur la table de pique-nique. Je regarde si on a la bouffe, on a ce qu'il faut. Donc, j'ai boosté dans la dernière vidéo, j'ai boosté la pince, la fouet de pince. Moi, je sais plus comment ça s'appelle le truc. Ça s'appelle comment le bordel? Fois à pince, voilà. Fois à pince, on l'a boosté un peu, du coup on a plus choc à eux, donc je sais pas du tout ce que c'est. Ce que ça fait pour l'instant, j'en sais rien. On verra ça là-bas. On a des petites fourmis noires, on a quelques petits trucs à taper là-bas, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc là, je vais vous donner un peu la gerbe, les amis. Ça va monter, une fois que, voilà, on sera tranquille. Non, tout ça c'est pour revenir, donc là, est-ce que je vais réussir à passer tranquillement? Non. Toujours une galère sur le troisième. Voilà, ça passe mille. Ça passe mille. Donc là-bas, non, c'est pas bon. On va retourner là-haut. On retourne une chaîne, on monte. On prend la tyrolienne. On a quelques petits trucs à faire avant. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, comme ça, vous allez voir. Je vais pas vous spoil, vous allez voir en même temps que moi. Donc on y va. Donc ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui veulent pas se spoil, éteignez la vidéo, les amis. Parce que là, on va tout refaire depuis le début. Donc, surtout, éteignez la vidéo sur ceux qui veulent faire le jeu sans se spoil. Et surtout, ceux qui veulent, bah, allez voir la dernière, justement, vous allez découvrir 3 petits trucs plutôt sympathiques. Là, c'était où? Là, c'était en bas, là, c'était en haut. Donc là, je vais prendre plus celui-là. On va plus partir sur celui-là, les gars. Donc, il est un peu plus long, comme vous entendez. Donc, bah, écoutez, on se retrouve là-bas. A tout de suite. On se reprend ici parce que là il va falloir que je saute avant la table. C'est que regardez, j'avais pas vu le petit lutin. Avant le nain de jardin il était pas là. Donc ça sera un truc à aller voir aussi les amis, parce que ça franchement je sais pas du tout s'il y a quelque chose dedans. Donc là on a toujours la zone infectée, on a toujours nos petits trucs. Oui, voilà, donc tout ça il faudra qu'on se leur fasse aussi là-haut. On aura des trucs à récupérer je pense aussi. Et donc là on n'avait plus la ruche. On avait carrément un pot de miel. Mais là comme je l'ai dit, il va falloir que je stoppe ça. Parce que là il va falloir que... Et que j'ai eu direction de l'appel. C'est parti. Voilà. On se casse un peu la cheville, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, les gars. Vous inquiétez pas. Ah, j'ai pas pris l'oxygène. Merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, regardez. C'est quoi qui fait ce bruit, là? Direct, j'ai un tremblement de terre. C'est quoi ce délire? Donc il va falloir qu'on monte avec la pelle qui est là. Mais avant, il faut récupérer la clé. Il faut récupérer la clé du coffre. Sinon, ça sert à rien. Vous imaginez bien. Donc ça, je sais plus, je m'en rappelle plus. Le truc, c'est que il faut penser à avoir toujours un petit couteau sur soi. Je pense couteau ou alors la HNT3. Je pense que ça doit suffire. Je pense que ça doit suffire. Par contre, je sais pas si ça va suffire mon oxygène. Mon oxygène, je sais pas si ça va suffire, les gars. Bah, si ça va suffire. Hop, on récupère la clé. Voilà. Tranquillou. On remonte. Tac, tac. Par contre, je trouve que c'était bien vert, là. Ah oui, c'est bien vert. Il y a les racines. C'est normal. Tac, tac. Et là, maintenant, on va pouvoir aller s'occuper de l'appel. Donc pareil, au niveau de l'appel, il va vous falloir une grenade, les gars.
qu'on va équiper tout de suite. Tac, tac. Voilà. Équiper la petite grenade collante. Bon, moi j'ai que des grenades collantes là, mais bon, j'ai tout à la baraque. Mais c'est vrai que je préfère quand même les petites grenades collantes. La table est où? La table est là, donc le truc, le manche il est là. Le manche il est là. Voilà. Ah bah attendez, il y a même quelques petits trucs à péter là. Ok, bougez pas. On va faire péter ça d'abord. Voilà. Plutôt tranquille. Marbre robuste. Hein. On récupère les amis. Au moins j'en ai récupéré un au moins. Ouais, j'en ai récupéré un. C'est ce qui compte. Donc, à partir de là, les amis, bah voilà. Faut se barrer. Enfin, faut se barrer, faut monter. En dessous de la table, on a quelques petits trucs à récupérer. Des chewing-gums, des dents de lait, des ceci, des cela. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez pas fait tout ça. N'hésitez pas les amis, surtout. Une plume, plume j'en ai, mais ouais, j'en ai. J'en ai beaucoup. Donc on s'en fout un peu des plumes. Est-ce que là, il n'y aurait pas une petite fourmi? Juste pour tester mon... Ah voilà. Petite fourmi noire là-bas, ça va le faire. Bougez pas. Petite goutte de jus. Compte du sel, je prends. Si, sel, parfait. Morceau de pomme. Cookie. Tac. Viens là, toi. Ok, c'est quoi ça? Ah, ouais, d'accord. Par contre, ça bouffe l'énergie. D'accord, c'est tort. Ça y est, je me suis pris pour tort, les mecs. C'est bon. On est bien. On est bien. Donc attendez, tac, tac, voilà, ça va être plus simple parce que sinon j'en ai pour la semaine à chaque fois. On va récupérer ça parce que ça permet de faire des bonnes flèches. Oh mais vous avez vu le tonnerre, carrément. Ok, on comprend mieux l'attaque. Bah, c'est plutôt pas mal là, hein, cette arme là en fait. J'ai l'impression que ça les stun un peu aussi, donc plutôt intéressant. Donc là, bah, c'est pareil, je crois qu'il y avait de la science au début où il y avait des trucs. Donc allez-y, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller. Donc il va nous falloir un marteau aussi. Donc pensez à prendre un marteau pour justement faire tomber le sac là. Attends, on va se prendre un petit boost là. Voilà, ça va faire du bien. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir monter sur la table. Donc normalement il y avait de la science ici. Si vous ne l'avez pas fait, donc vous pourrez faire la science. Et à partir de là, voilà, là on est sur la table les amis. Non, il va pas monter. Voilà, ici ça monte. Petit coup de jus. Voilà. Come on, Wendell. Juste faire le tour là. Voilà. Inventaire plein. Ah mais non, c'est mort ça les gars. Ça c'est mort, donc bougez pas. Donc là, petit fichier les amis, bon bah voilà. C'est pas trop loin à lire, donc ça va aller vite les amis, mais n'hésitez pas quand même à mettre pause. Moi je dirais de mon côté. Tac tac tac. On va activer le scab ici là. Enfin ouais, si c'est le scab, je sais plus. Non c'est le... Ouais c'est le truc pour la carte. Y'avait rien d'autre. Non ça c'est la viande pourrie. Y'avait rien d'autre, j'avais rien à analyser. Y'avait rien à analyser. Donc là le reste, on s'en fout. Pour l'instant c'est tout neuf. Y'a un truc qui fait du bruit là. De toute façon, là, il va y avoir les... Ouais, ok. Donc, à partir d'ici, les amis. De toute façon, j'ai plus de place. Hein. Non, j'ai plus de place nulle part. La fin de la soif, ok. J'ai récupéré quand même un peu de fourmis. Ok. Donc. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je te filme. Donc, les amis, ici, il n'y a plus qu'à fouiller. Donc, vous allez trouver de la science. Je sais pas si vous nous avoir remis de la science ici. Non. Science, chewing-gum et feuilles de... Et feuilles. Plume de corbeau. Voilà les trucs que vous allez découvrir dans ces pièces-là. Vous voyez, voilà. Du chewing-gum et tout. Moi, j'en ai pas besoin là pour l'instant. Je sais pas c'est quoi qui fait ce bruit-là. Ça va être une abeille qui est coincée je sais pas où. Ouais, comme je disais, des feuilles et nanana. Voilà. Et quand on va arriver par là, vous allez voir. On arrive au centre. Ok d'accord, elle est bloquée là-dedans, elle va me casser la tête. Elle est bloquée au centre.
Voilà, donc viens ici, vas-y. Oh l'autre. Tu vas prendre un effet fumant. Tu vas voir. Bouge pas. Bouge pas, je t'ai dit. Toi, elle est sérieuse, elle. D'accord. En plus, je la rate. Allez, vas-y, ferme-la. Là. Je pourrais pas récupérer ma flèche en plus, à cause d'elle. Donc ici, vous allez récupérer de la science, des trucs ici. Là, normalement, voilà, si vous faites bouger sur le... Hein, sur le numéro 20, vous voyez déjà sur le numéro 20. Et vous récupérez une mutation, vous récupérez un petit truc, les amis. Voilà, je l'ai pas fait, moi. Mais là, vous avez récupéré une mutation ou laquelle, je sais plus trop. Et là, on accède directement aux clés. Enfin, au coffre du labyrinthe. Oh, il y a plein de trucs dedans. Mais pourquoi je peux pas rentrer dedans, là? Arrête tes bêtises. Inventaire plein. Oh non, attendez. Attendez. Voilà. Et là, on récupère la clé. La clé de la pique-nique. Voilà, les amis. Et je peux plus sortir encore. C'est quoi ça? Voilà, c'est bon. Je suis sorti. C'est parfait. On peut s'en aller, les gars. Et là, voilà, on a fait le tour d'ici. Donc après, c'est pareil. Vous pouvez faire tout le tour. Vous allez récupérer pas mal de sel, pas mal de nouveaux trucs. Du chewing-gum, des plumes de corbeau. Il y a pas mal de trucs à récupérer ici. Donc attendez. Mais déjà, on va en consommer un, deux. Et on va se mettre un petit bandage. Tranquillou. Ça, la vie va pouvoir remonter au calme. Allez, dégagez les filles. Dégagez, j'ai pas le temps. Et là, on va aller direction notre Potosbergel bah, pour voir un petit peu tout ça. Ce que ça va nous débloquer, ce que ça va nous donner. Bougez pas, ça vite fait. Parce que là, j'ai ma tyrolienne qui est juste là. Voilà. C'est parti. On se retrouve là-bas, les amis, parce qu'il y en a pour la semaine. A tout à l'heure. C'est bon, les amis. On arrive à côté de chez vous, notre Potos. Bergelitos. Donc hop hop. Voilà, c'est rien comme ça. Allez, go go go. Le tête d'or là, là, mes mères. On va la laisser faire dodo surtout. Hein. On va éviter de l'exciter. Ce serait pas mal. Hein? Ce serait plutôt gentil de notre part. Avant qu'elle soit excitée et qu'elle commence à tout défoncer, là, Simone. Là. C'est parfait. Donc, notre copain. Il est où? Oh. Ouais, tiens, prends ça. Ok, bon, on va aller voir ça. Ok, pas de soucis. On lira les trucs un peu plus tard, les amis. Hein? On lira les trucs un petit peu plus tard. Non, c'était là-dedans qu'il fallait aller voir. Et donc, c'est ici. Et alors, il y a quoi de nouveau? Fortification, échelle, nanana. Ah, la masse mentholée. La masse mentholée qui vient d'arriver dans le game. Ok, d'accord. Détection de micromolar. Ouais. Ensemble de panneaux. Ok. Ok. Donc, le... Après, je sais pas, je me rappelle plus si j'avais été voir si quand j'ai fait le labo de la mare, si ça m'avait débloqué justement la masse mentholée ou si c'est la table de pique-nique qui me permet de débloquer la masse mentholée. Je sais pas, là je pourrais pas vous dire, les amis, je m'en souviens pas. Et puis, bah, prochaine mission, ce sera là on a fait la table de pique-nique, soit les fourmis noires, soit comment dire, ah, il y a fourmis noires, les termites, le brouillard. Bon, on ira se faire le brouillard. Donc bah les amis, prochain labo, le labo du brouillard. Donc bah laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.